Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas technique. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment faire des bonnets ou des ouvrages à base de bonnets avec des mesures correctes. On trouve un petit peu tout et n'importe quoi sur internet. On trouve surtout des dimensions, mais après, entre le fil, le crochet, les vraies dimensions, les bonnets, ça c'est un cafouillis incroyable. Donc, j'ai pris la décision, je l'avais fait l'année dernière, mais j'utilisais un autre fil. Bien évidemment, chaque fil est adapté. On adapte chaque fil avec les bonnets, avec les... Voilà, je ne peux pas utiliser un fil numéro 4 en vous donnant les mêmes dimensions qu'avec un fil numéro 3 ou avec un fil numéro 2. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai acheté une multitude de hauts de maillots. Parce que j'en ai marre de voir. J'essayais de trouver des choses à adapter et rien n'est correct. Rien n'est correct parce que rien ne me semble correct. Et je suis un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, donc on va le faire par nous-mêmes. J'ai pris toutes les tailles. J'ai pris d'abord du S, ensuite du M, ensuite du L. Enfin, du XL. Et pour finir, du XXL. Il y en aura pour tout le monde. D'accord? Et on peut voir effectivement que, ben, écoutez, d'une taille à l'autre, on va prendre du S au XXL. Ça n'a rien à voir. Si je pose le S dessus correctement, on se rend compte, pardon, hop, voilà, on le pose comme ceci. On se rend compte qu'effectivement, ça fait. Oui, il est là. Je suis désolée, c'est noir, hein, mais bon, pour que ce soit un bon prix, il fallait le prendre en noir. Donc voilà. Donc vous voyez que c'est quasiment la moitié du bonnet du XL. Hein. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais partir à mesurer déjà chacune des parties des maillots. J'ai tout mesuré. Alors, j'ai commencé par mesurer la largeur des bonnets. Ensuite, j'ai mesuré la hauteur du bas, du dessous le sein jusqu'au mamelon, entre guillemets. Ensuite, j'ai mesuré du haut, là on met la bretelle, jusque sous le sein. Et ensuite, j'ai mesuré la partie de la poitrine qui va entre les seins. Et ensuite, j'ai mesuré la partie extérieure qui va sous le bras. Je vais de suite vous écrire tout ça ici et vous allez pouvoir le noter, faire pause, faire une capture d'écran, ce que vous voulez. Comme ça, vous aurez les vraies dimensions. Là, on part sur donc ça. Tout ça, c'est les dessous de poitrine. Alors oui, des fois, c'est un petit peu étonnant. Regardez, là, sur le L, on est à 18,5. Puis le XL, on passe à carrément 4 cm d'écart. Allez comprendre. Voilà, je vous montre ça en image parce que des fois, vous pouvez vous poser la question si c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous voyez, là, j'ai le XL, là, j'ai le L. Vous voyez la différence déjà, rien que comme ça? Maintenant, si je le pose dessus, comme ceci, et que là je vais sur le côté, ben vous voyez, je ne vous ai pas raconté de bêtises. On a bien, là j'ai 4 cm d'écart. Allez comprendre pourquoi. Le fait est, c'est que c'est comme ça. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran pour avoir toutes ces dimensions. Donc là, c'est du mamelon à sous le sein, la totalité. Ça, c'est la partie extérieure, ça va sous le bras, et ça, c'est la partie intérieure. Aussi, j'étais étonnée que c'était pas les mêmes. Enfin, et là, j'étais étonnée que ce soit par contre les mêmes. Enfin, écoutez, ce sont des données, on va en faire ce qu'on a besoin avec. Alors, mon plan, c'est quoi? Mon plan, c'est de partir hein, avec. J'ai mesuré, donc ici, j'avais 7,5 pour le S. Là, j'avais 7,5. Donc, j'ai fait une chaînette. Alors, crochet de
2,25, ce qui vous fait pour vous, parce que moi je crochète là, je vais dire du 2,5, ok. Là j'ai fait donc 20 mailles. Ça c'est donc, ah ben je vais le marquer ici, nombre de mailles que j'ai fait au départ. Ici je vais marquer, donc là j'ai fait 20 mailles pour avoir mes 7,5. Je me suis rendu compte que 3 mailles étaient équivalentes à 1 cm. Donc, en étant logique, pour le 8,5, il va me falloir 23. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pareil. Pour le XL, il va me falloir 26. Là, donc 29. Pour le XXL, et maintenant pour déterminer le M, et bien on va taper en plein milieu, on va dire 21, hein? Ok, donc ça c'est le nombre de mailles de départ, c'est le nombre de mailles de départ ici. Après ça va pas être compliqué du tout, vous allez faire une bride dans une bride. On va en faire un ensemble, hein. Mais là c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on fait donc une bride dans une bride. Là je suis partie sur du S. Alors pour vous montrer que ça fonctionne avec du S, hop là, ça c'est le S. On le met bien comme ceci et on vient mettre celui-ci par-dessus. Voilà, hop, bien par-dessus. Alors la couture sur le centre, là au bord, là au bord, ici. Donc vous voyez, ça enveloppe hyper méga bien. Donc nous sommes vraiment sur du S là. Alors il manquerait un rang. Voilà, je vais faire un rang supplémentaire pour que la largeur soit bonne, mais autrement la coupe est bonne. La profondeur du bonnet est bonne. Donc, ce qui se passe, c'est que pour faire ces bonnets-là, c'est pas compliqué. On part sur, là, je suis partie sur 20 mailles. Donc, sur 20 brides. J'en ai fait 19. Dans la 20e, pardon, j'ai fait, comme vous pouvez le voir ici, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et j'ai refait mes 19. Je suis partie sur le rang d'après. Et là, dans la maille en l'air que j'avais créée, j'ai fait simplement 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et je suis repartie ainsi de suite. Ce qui va être intéressant de faire, c'est de vous dire combien de tours je fais par bonnet. Donc là, à mon sens, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'avec 9 rangs, aujourd'hui je vais mettre là, le rang. Avec 9 rangs, j'obtiendrai effectivement ma taille S. 20 mailles de départ, 19 brides, celle d'en haut. Donc c'est là où on fait l'augmentation sur le premier rang, 3 brides, maille en l'air, 3 brides. Et sur le deuxième rang, dans l'augmentation, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. D'accord, et donc ça sur 9 rangs et j'ai mon S. Maintenant, bah, écoutez, je vais tenter de vous donner la preuve que ça fonctionne. Je vais finir mon rang, on va vérifier. Et après, je viendrai tenter un L. Je vais pas tous les faire, mais si j'en tente un des entre les deux, voir si ma supputation donc du 23 mailles de départ et de voir si ça passe sur le maillot, c'est bon. Ça a l'air brouillon tout ce que je vous raconte, c'est peut-être pénible, mais si vous saviez les heures que j'ai passées à essayer de vous trouver sur le net quelque chose de juste et que je n'ai absolument pas trouvé, c'est ça ce que je suis en train de faire. C'est beaucoup de travail qui vont vous rendre, j'espère, vraiment service. Ok, allez, c'est parti, je finis mon rang, je vous retrouve. Bon, je viens de faire ma dernière bride. Avant de couper, de rentrer le fil, je vais quand même vérifier que ça fonctionne. Que ça fonctionne. Oui, le S. Voilà, le S est là.
Allez, c'est parti. Donc, on vient se positionner bien dessous. Ça, c'est le primordial. Dessous, dessous, là, là, hop, comme ceci. Dessus, dessus. Voilà. Et voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en retourne? Il en retourne que eh ben, ça s'adapte. Sauf que, bien évidemment, vous pouvez comprendre que là, extérieur vers le dessous de bras, j'ai 16,5. Là, intérieur vers le centre de la poitrine, j'ai 18. Travaillant de façon symétrique, je ne peux pas. Hein, vous comprenez bien que ça, c'est pas gérable. Donc, ce qui est important, c'est de voir vous ce qui va vous intéresser, le 16,5 ou le 18. N'hésitez pas à prolonger. Aussi, une chose très très importante, c'est que nous n'avons pas toutes les mêmes mains. Moi, je vais crocheter d'une façon, vous allez crocheter d'une autre. Donc, si vous faites un essai et que ça ne correspond pas à ce que je vous ai donné, c'est-à-dire par exemple, le départ de 20 mailles pour un S, descendez ou augmentez le crochet, tout simplement. Si vous trouvez que le vôtre est trop petit, ça veut dire que vous crochetez serré, donc augmentez le crochet pour avoir les dimensions. Si maintenant vous trouvez que le vôtre est trop grand, descendez le crochet pour avoir aussi les dimensions. Faut un petit peu s'adapter. Si maintenant il vous est important d'avoir non pas un centimètre entier, utilisez le panel de mailles que nous avons. Là par exemple, vous voyez, j'ai fini avec des brides, utilisez la demi-bride ou utilisez de la maille serrée si vous avez juste besoin de quelques millimètres en plus. D'accord? Donc effectivement, ce bonnet, à mon sens, correspond effectivement à un S. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le fil, rentrer le fil, parce que je vais le garder. Je vais vous faire un petit haut avec, un tuto d'un petit haut avec. Alors, on était bien sur 9. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur 9 rangs. Hein? 9 rangs. 20 mailles, donc 19 dans la 20e. Mais de toute façon, on va faire exactement les mêmes augmentations pour le L. Donc, vous allez voir comment j'ai géré ça. Je vais en profiter parce que peut-être qu'il y a des toutes jeunes filles qui vont, ou des tout jeunes garçons, pas de problème là-dessus, qui vont voir cette vidéo et vouloir se faire ce haut et qui n'ont jamais crocheté. Je vais vous montrer comment on rentre le fil. Donc, on fait un nœud délicat à la fin de l'ouvrage et ensuite on va venir à l'intérieur. Alors là, on va venir passer dans les mailles. Quand l'ouvrage est plus grossier, on peut utiliser une aiguille à laine. Quand l'ouvrage est fin comme ça, avec une aiguille normale, c'est tout aussi bien. Et là, on va venir glisser à l'intérieur. Vous voyez ici, ça fait une petite boursouflure où sur la base des brides. Donc, on va venir rentrer à l'intérieur une fois. Là, on ne va pas avoir peur de faire des allers-retours parce que on espère que ça va passer à la machine maintes et maintes fois. On va pouvoir le garder assez longtemps. Là, vous laissez, vous arrivez ici, et là vous avez une maille, celle-ci vous ne la touchez pas, vous allez à celle d'après et vous repassez encore à l'intérieur. Voilà, vous faites attention de ne pas froncer, hein. Comme ceci, hop, on détend, on vérifie que c'est bien détendu, hop, comme ceci. Encore une fois, on passe cette maille-ci et on vient dans celle d'après. Et on en met dans 3, pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Là, on est certain que ça ne bougera absolument pas. Voilà, ça bougera tellement pas que ça coince un peu. Délicatement, hop, comme ceci. On détend et c'est bon. C'est rentré, c'est invisible, c'est parfait.
Parfait, façon de parler, hein. Je m'encense pas de ce que je fais, je vous assure, hein. Voilà, allez, c'est parti. On part sur du L. Donc c'est parti, on part sur le L et donc j'ai supputé que ça faisait qu'il me fallait 23 mailles. On est sur du 8,5. Ben, écoutez, je vais faire 23 mailles, je verrai bien si ça me donne 8,5 et si ça va bien de sous le sein au mamelon. Allez, on part pour la chaînette de 23 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, je prends ma chaînette, je vais sous le sein, comme ceci, et je vérifie. Donc, on peut voir que ça va juste. Vous voyez, est-ce que vous voyez? Oui, là, vous voyez. Vous voyez qu'on est juste, et je peux pas tirer, hein, c'est du coton, hein, donc vous voyez que je tire pas dessus. Donc 23, c'est bon. Ça fait, c'est bon. C'est parti. Là maintenant, nous allons venir faire une, deux mailles en l'air, et on part donc pour 22 brides. Donc une. Deux. Alors, je suis à la 22e, petite vérification. Hop, dessous, on remonte, c'est toujours bon, ça s'est pas détendu. Donc, on a fait les 22 pour moi, les 22. Donc, j'ai fait mes 22, la 23e, ça sera pour l'augmentation. Vous voyez, là, par exemple, si c'est du M, vous en faites 20. Si c'est du S, vous en faites 19. Si c'est du XL, vous en faites 28. OK? La dernière étant pour l'augmentation. Et l'augmentation, ça se passe de la façon suivante. Sur le premier et uniquement sur le premier rang, dans la dernière maille, on vient faire 3 brides. Donc, une, deux, trois, une maille en l'air et trois brides dans la même maille. Donc, une, deux et trois. Voilà, donc maintenant j'ai 22 brides à faire pour redescendre. Bien évidemment, je vais envelopper le fil, comme ça sera fait. Donc je pars pour mes 22 brides et nous nous retrouvons une fois que les 22 seront faites. Pour moi, 22, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour vous, c'est peut-être pour du XL 25. Ou pour du M 20. OK? Allez, on se retrouve au bout. Voilà, eh bien écoutez, j'ai bien mes 22 brides avec la 23e maille au bout qui m'a servi pour l'augmentation. Donc je viens faire une, deux mailles en l'air et ce peu importe les tailles, vous faites exactement pareil, hein. Et là, donc je repars avec 22 plus 3. Hein, pourquoi 22 plus 3? Parce que j'avais 22 brides, j'ai fait 3 augmentations, ça me fait 25. On est d'accord? Donc je pars sur 25 brides. Je vous retrouve au bout des 25. Là, je vais entamer le troisième rang. Donc nous étions à 23 mailles. Donc sur le deuxième immanquablement, nous étions à 22. Du fait qu'on ait rajouté 2 et 2, ça fait 4. On est à 27. Hein? Donc allez. Donc vous aussi, vous comptez par rapport à vos données. Vous rajoutez donc sur le deuxième rang, pardon, 4 mailles. Et tous les rangs, vous rajoutez 4 mailles, hein, pour savoir où vous en êtes grossièrement. Alors là, écoutez, ça va pas être très très compliqué. C'est un rang qui va être exactement comme le précédent, c'est-à-dire une bride dans une bride, et au centre,
Au niveau de l'augmentation, on fait tout simplement deux brides, une maille en l'air, deux brides. Et ça, nous allons le faire sur la totalité des rangs à venir. Là, vu que nous sommes en phase d'expérimentation, je ne peux pas vous dire le nombre de rangs. Je vais le faire. Je vais faire la comparaison. Quand je considère que la comparaison est la bonne, je reviens vers vous. Ça va durer une seconde, la magie du montage. Et comme ça, je pourrai vous donner le bon résultat pour la taille L et ça déterminera tous les autres. D'accord? Allez, je vous laisse. Comme je vous dis, après le deuxième rang, au niveau de l'augmentation ici, c'est toujours pareil, deux brides, une maille en l'air, deux brides. À de suite. Et bien voilà, alors au bout de 10 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, effectivement, ça englobe bien la totalité du bonnet. Comme vous pouvez le voir, voilà, et nous sommes bien sur du L. Donc cette dimension qui est 23 ici, donc 22 brides plus ici la maille d'augmentation, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, on reprend sur le deuxième rang et à partir du deuxième rang et dans chaque rang suivant, c'est deux brides, une maille en l'air, deux brides. Hein, on fait donc des allers-retours avec tout le temps deux brides, une maille en l'air, deux brides. Ça nous donne effectivement un bonnet en L bien enveloppant. Hein, voilà, nous sommes exactement sur les dimensions. Hop, là on voit bien que c'est exactement positionner dessus. Voilà, donc en fait la longueur ici détermine la profondeur du bonnet, le nombre de rangs nous avions sur la petite taille la 9 rangs, mais comme c'était moins haut, et eh bien vous voyez la différence. Voilà, là nous sommes donc sur du S et là donc sur du L. En fin de compte, je pense qu'il faut faire des essais. On va tourner aux alentours de... Alors là nous sommes à 10, donc bien évidemment, donc celui, le M, ça doit être ou 9 ou 10. Vous faites des essais, vous voyez ce qui correspond le mieux. Et pour ceux d'après, comptez 11 ou 12 rangs. Je pense que 11 rangs. Alors, au vu des dimensions ici, je pense qu'il va falloir vraiment 11 ou 12 rangs pour le XL et 12 ou 13 rangs pour le XXL. Voilà. Mais là, nous sommes sur les bonnes dimensions. J'espère que ça va vous être utile. Je vais donc utiliser ce tuto pour vous faire des petits hauts, des petites brassières ou des petits hauts faits donc à base de ces bonnets. J'espère que ce pas à pas vous aura été utile. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite.